Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du tag de Noël. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Fashion and Makeup que j'avais jamais vu avant et du coup j'ai trouvé l'idée super sympa et j'ai eu envie de le faire et je partage ça avec vous. On reste dans l'esprit de Noël et je trouve ça cool. Question numéro 1, quand commences-tu à être emballée par Noël? Alors moi je dirais en novembre. Ouais, en novembre, mi-novembre, fin novembre, là je commence à être au taquet. Même si on y pense bien avant puisque j'ai des enfants et les catalogues de jouets commencent en octobre. Donc les enfants commencent déjà à regarder les catalogues au mois d'octobre. Mais oui, moi je me mets dans l'ambiance au mois de novembre, on commence à penser aux sapins, aux décorations, aux calendriers, puisque les enfants sont au taquet derrière. Maman, on est bientôt décembre, est-ce que t'as pensé au calendrier de l'Avent? Dépêche-toi, ta ta ta. Donc bon, ça c'est le truc qu'on peut pas oublier. Ça met dans l'ambiance tout simplement et... Et c'est plutôt cool, moi je trouve, ça me met en joie. Question 2, as-tu encore un calendrier de l'Avent? Alors cette année j'en ai pas. J'en avais encore jusqu'à l'année dernière. Qui était pour la première fois un calendrier beauté puisque c'était le Ciaté. Mais cette année non, j'en ai pas. L'année d'avant c'était un Smarty, j'avais été super déçue. Parce que c'était pas des Smarties en fait, c'était des trucs au chocolat noir, c'était pas bon. J'ai pas aimé. Mais voilà, cette année j'en ai pas. J'ai été punie. Question 3, quel est ton film de Noël préféré? Alors j'en ai plusieurs. J'ai tout d'abord le Grinch. Parce que j'adhère totalement à l'univers du Dr. Seuss, j'adore, c'est un truc, ça me fait triper. Et de plus, ça me rappelle de très très bons souvenirs, puisque le Grinch, ce film, je l'ai vu pour la première fois, donc chez mon meilleur ami, avec lui, évidemment. Et c'était des super moments. Et je me le remets chaque Noël avec les enfants, ils aiment beaucoup aussi le Grinch, c'est un grand classique. On se remet aussi beaucoup l'étrange Noël de Monsieur Jack puisque nous sommes des fans de l'univers de Tim Burton. Que ce soit moi ou les enfants ou même le chéri, il aime beaucoup. Et souvenirs d'enfance, il n'y a pas de Noël sans Maman j'ai raté l'avion. C'est pas possible. Si je n'ai pas Maman j'ai raté l'avion, c'est pas des vacances de Noël. C'est le truc, je peux pas m'en empêcher, je l'ai vu mille fois, mais il faut que je le regarde parce que sinon j'ai pas l'impression d'être à Noël quoi. S'il passe pas à la télé, je suis déprimée parce que si mais c'est Noël, pourquoi ils nous mettent pas Maman j'ai raté l'avion? Voilà, c'est parce qu'il passait à chaque Noël quand j'étais enfant et ça me ramène à cette période. Question numéro 4. As-tu un souvenir drôle avec Noël? Un souvenir drôle... C'est drôle pour moi et pour mes sœurs. On se marre assez quand on y repense, quand on en reparle. Maintenant je suis pas sûre que ça vous fasse rire vous puisque fallait être dans l'ambiance en fait, mais on a eu un Noël assez spécial où on a eu la visite d'un Père Noël un peu bizarre. C'est-à-dire que le Père Noël, je sais pas, il devait revenir d'un voyage dans les îles ou je ne sais où, il parlait assez bizarrement, il était très autoritaire. Et il a offert un cadeau qui était pour toute la famille et il me l'a tendu en me montrant du doigt comme ça et en me disant pour toute la famille. Et mais
Voilà, ça me fait rire encore quand j'y repense. On s'est marré sur le moment, même si j'avoue qu'il était un peu flippant quand même, ce Père Noël. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, ça nous fait marrer quand on en reparle, parce que c'était vraiment cocasse. Mais voilà, fallait être là sur l'instant, fallait être dans l'ambiance, sur le moment, parce que raconter comme ça, je pense pas que ce soit très très drôle. Mais nous, on s'était bien marré en tout cas. 5. Parle-nous de ton jour de Noël. Alors nous, c'est pas le jour de Noël, c'est la plupart du temps c'est le réveillon quand on peut le faire, parce que bon, à l'heure d'aujourd'hui, avec les emplois des uns et des autres, c'est pas toujours facile. Dans tous les cas, de toute façon, même si on est tout seul, mon mari et moi avec les enfants, on fait le réveillon donc le 24. Et on déballe donc les cadeaux le 24. Chez nous, ou chez mes parents. Donc on se fait un repas et on trépigne à attendre pour pouvoir ouvrir les cadeaux. Parce que souvent ils sont déjà au pied du sapin. Et on ronge notre frein en attendant, mais quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux? Quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux? Même mon père le premier en fait, même je dirais. Hein. Ouais, je dirais que papa, c'est lui qui serait le plus pire que les gamins, quoi. Il est là, bon, on va ouvrir les cadeaux après Et sinon, c'est quand qu'on ouvre les cadeaux? Puis, on va voir les cadeaux peut-être, hein. Et puis il a vraiment hâte à chaque fois d'attendre, parce qu'en général on fait ouvrir les cadeaux des enfants en premier. Et on ouvre ensuite les nôtres. Donc il est là, il trépigne. Bon, ça vous plaît, c'est bon, je peux ouvrir les miens. Ça, c'est un vrai gamin, mon père, en fait. Et on profite d'être ensemble autour d'un bon gros repas. Et c'est cool, on met de la musique, et tout. On fait la fête, quoi. Et soit le lendemain, ou soit quelques jours après, ça dépend. Donc on va dans la famille de mon chéri, et pareil, on fait de nouveau un bon gros repas, et on ouvre les cadeaux, et voilà. 6. Que manges-tu le soir de Noël? Bah, alors en fait... Moi, je mange pas grand chose, parce que tout ce qui est attrait en fait aux fêtes, j'aime pas. J'aime pas le foie gras, j'aime pas le saumon, j'aime pas les fruits de mer. J'aime pas grand chose. Donc du coup, je mange pas plus que d'habitude au final. En général, je mange une bouchée à la reine faite par ma maman. Qui est trop belle, avec plein de farce, hein. Je rajoute du rab de farce, parce que sinon c'est moins bon. Et puis moi en fait je suis calée, après j'ai plus faim, donc de temps en temps je me force quand même pour manger un petit bout de viande ou une petite patate, et puis voilà. Et puis c'est tout, puis après c'est le dessert, quoi, une bûche glacée. Mais sinon il y a du choix, hein. Ma mère elle fait un milliard de trucs, elle fait du saumon, du foie gras, des coquilles Saint-Jacques, enfin bon, moi tout ça j'en mange pas, donc voilà. 7. Est-ce que tu as des traditions de Noël? Bah pas vraiment en fait. Je pense pas, mis à part le sapin qu'on met en fait le jour de mon anniversaire, donc le 2 décembre. Mais cette année on n'a pas respecté, on l'a mis un petit peu avant, parce que ça tombait en pleine semaine, c'était chiant. Mis à part ça, non, il n'y a pas réellement de tradition, à part le fait qu'on fasse réveillon vraiment, nous, et qu'on n'attende pas le jour de Noël. Mais c'est tout. En fait, il n'y a pas de tradition vraiment pure, quoi. 8. Quelle est ta chanson de Noël préférée? Ma chanson
de Noël préférée, ça reste, je pense que ça restera toujours la chanson de Mariah Carey, parce qu'elle me met mais complètement dans l'ambiance de Noël. D'ailleurs, en général, avant de partir pour le réveillon, pendant que je me prépare, je me maquille ou quoi, je la mets en fond et je me mets dans l'ambiance Noël. 9. Quel est le meilleur cadeau de Noël que tu aies reçu? Alors ça c'est compliqué parce que... Bah parce que les cadeaux que j'ai me plaisent toujours donc... Le meilleur cadeau. Ça serait... Quand j'étais ado encore. Pas encore. Quand j'étais ado quoi. J'ai reçu un album que j'avais regardé parce que je voulais à tout prix me l'acheter et on disait partout qu'il était trop vieux et qu'il était devenu introuvable ou très difficilement trouvable et je l'ai eu en fait à Noël dans un coffret avec plusieurs albums et dont celui-ci et j'ai fait ah mon Dieu mais celui-là ils avaient dit qu'il était introuvable et tout. Je me rappelle encore, du coup, ma mère elle se l'a pété, genre ouais, mais moi je l'ai trouvé, t'as vu. Et c'était ouais, je pense que ça serait celui-là. 10. Un vrai ou un faux sapin? Nous, c'est un faux sapin parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus économique, et puis que bon, c'est pas. Ça reste joli quand même. Bon, là, moi, le mien, il fait la gueule. Je pense que c'est la dernière année que je peux l'utiliser. Il commence à... C'est tout écarté et tout. On a du mal à l'habiller, le machin. Mais voilà, mais je repartirai sur un sapin artificiel parce que voilà, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Le truc qui fait 1,80 m et... Et putain, on le replie une fois terminé, on le replie, on le range et on le ressort l'année d'après. C'est pratique, c'est économique et ma foi, ça décore tout aussi bien qu'un vrai. Sur ce, le petit tag est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous mettra ou que ça vous gardera dans l'ambiance de Noël. Et surtout, dites-moi en commentaire, à la rigueur, répondez-moi aux questions en commentaire. J'aimerais savoir quels sont vos souvenirs de Noël, vos traditions, vos habitudes. Ça me ferait très plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de m'avoir regardée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!